vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog sur Avignon, les amis. Regardez le pont comme il est beau. Et je suis pas tout seul, il fait beau, il fait chaud, rien de mieux que pour ça, avoir le soleil avec moi, il est là, mais en plus j'ai une personne lumineuse, les amis, je vous présente Costal, mesdames et messieurs. Je sais pas si je donne le plan, mais je suis là, si. Gros. Il est là, t'inquiète, on te voit. Ouais, comment ça va les amis? Bonjour mes amis, comment ça va? Abonnez-vous à sa chaîne, le lien il sera en description, n'hésitez pas déjà, à aller voir ce qu'il fait. Abonne-toi à ta chaîne. Ouais, abonnez-vous déjà à ma chaîne, mais ensuite allez voir quand même ce qu'il fait après cette vidéo et vous allez checker ça. Je vais vous montrer un peu Avignon, on va faire quelques plans ensemble, on est parti, c'est un moment vacances entre potes. J'espère que ça va vous faire plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire et bien sûr à lâcher le pouce bleu. C'est parti! Comme vous pouvez voir, je transpire parce qu'il fait très très chaud. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'était le parc en haut du Palais des Papes d'Avignon. On va vous montrer un petit peu le Palais des Papes et ensuite on va se diriger dans le centre-ville. Let's go! Donc voilà les amis, ici je vous présente le Palais des Papes d'Avignon qui est mondialement connu, je ne vais pas vous en parler un peu plus. Si vous voulez des infos, allez voir, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Avignon, ville du Palais des Papes. Donc voilà, donc ici je me retrouve sur la place Pie, c'est l'endroit où il y a tous les bars, les restaurants, vous pouvez voir ça derrière moi. Il y a toute une sorte de restaurants et de bars où les étudiants la plupart du temps font la fête le jeudi soir, parce qu'à Avignon c'est le jeudi soir que ça se passe, les soirées étudiantes. Et du coup vous avez tout cet endroit pour faire la fête, tout le monde se rassemble ici le jeudi soir et vous avez un beau mur végétal derrière moi, ça c'est la halle, c'est l'endroit où il y a le marché, donc c'est un marché couvert et je transpire, c'est un truc de fou, hein. Mais bon ça on va y tenir abstraction. Et du coup, on continue la balade. T'as quelque chose à dire? Non. Alors c'est cool Avignon. Un temps cool, de festival. Ouais.
Vous êtes où? Vous êtes ici là? Ouais. Étudiant, j'imagine? Ouais. Du coup, vous étudiez sur Avignon? Ouais. Dites-moi ce qui se passe le jeudi soir ici. Et tous, vous êtes étudiants, vous faites pas la bringue ici le jeudi soir? Non. Et le jeudi soir, c'est ici qu'il faut. Nous sommes des élèves exemplaires, nous travaillons. Non, tu peux être exemplaire, mais il faut se détendre. Le jeudi soir, c'est ici qu'on vient faire. Et il y a quoi du coup le jeudi soir? Ouais. Le jeudi soir, bon là, c'est les vacances, mais c'est les soirées étudiantes le jeudi soir ici. Ah ouais? Ah ouais? Eh ouais, toute la place là. Et ben, tous les étudiants. Venir jeudi soir. Ouais. Bon là, c'est les vacances, donc jeudi soir, t'auras pas grand monde. Profitez bien. Merci. Donc voilà la jeunesse avignonnaise que vous avez pu voir. Alors si vous vous voyez en vidéo, je vous fais une petite dédicace. Vous pouvez voir que les gens sont sympas quand même à Avignon. Ils n'hésitent pas à vous accoster et pas pour rien. Des fois, c'est vrai qu'il y a des mauvais gens, mais des fois, il y a aussi des bons gens et ça, il faut les remarquer. Il y a une belle église là, regarde. Oh, c'est une cathédrale ça, non? Je sais pas, mais il y a une croix dessus. C'est une basilique. Donc voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette petite balade, comme on dit en Avignon, parce qu'on dit en Avignon, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter une ville qui est juste à côté de chez moi. Avec mon ami Costal, on vous a réalisé quelques plans. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, il est là. N'hésitez pas à aller consulter sa chaîne. Je le redis encore une fois. Il y a son lien. Allez voir ce qu'il fait. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à sa chaîne. En tout cas, ça fait super plaisir. Wesh, ouais. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Ça me ferait également plaisir. Activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se redit à bientôt tous les deux. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Ouais, on va se revoir à Avignon. En Avignon, nous. Avignon. Ok, d'accord. Et puis je vous dis à la prochaine. Ouais. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Les amis, abonnez-vous franchement à la chaîne de la goutte. Hein. Vous avez intérêt, hein. C'est un mec comme ça. Ça c'est alors là, j'ai dit abonne-toi à la chaîne de la goutte. Vous avez intérêt parce que c'est un mec comme ça. Et quand c'est comme ça, c'est un pouce bleu vers le ciel. Comme ça. Allez, vas-y, mets des commentaires. Tu dis que la goutte c'est un beau gosse et tout. Hein. Allez, ciao.